Bonsoir, bienvenue dans Haïti sa cap cuite. Invité nous à ce soir, c'est député Pétionville, Jerry Tardieu. Avec lui, nous allons aborder un point bien spécifique qui c'est amendement constitution. On déjà comprend ça, puisque lui c'est président qui travaille dans la Chambre des députés à son amendement constitution. Il déjà un rapport qui soumettre, qui présenté par la presse avec 30 propositions pour amender la constitution. Dans la dernière émission de là avec un professeur de médecins qui était intervenu sur le dossier, il était cité non député, il était fait valoir des points de divergence, capable de les gagner avec les députés. Pas sur le fond, mais sur la forme, sur l'appellation du travail que député a réalisé l'amendement pour lui-même son l'autre constitution, puisqu'il demande pour changer le régime. Mais c'est surtout sur un objectif, président, avancé pour Anessa, président Edil, il parle avancer sur votre principe amendement constitution. Comment ça va le faire? Puisque déjà qu'on a gagné deux commissions qui travaillent sur lui. On côté Sénat, gagné commission parle qui travaille sur lui avec notre tête, le président et commission ça, et sénateur Kedler Augustin, même si nous connaissons beaucoup. Il beaucoup fait rien, tout au moins c'est pas présenté rien à la presse, mais c'est le défaut bagage, il a présenté tout, avec commission directeur Dua qui est très avancée, qui fait un pile rencontre, qui déjà gagne un rapport en bonne et due forme, que le soumette by la presse. Monsieur le député, bonsoir. Bonjour, Benson Jeffrey, respect pour vous, merci pour l'invitation. Ben, c'est 2019, c'est une année charnière, une année importante dans la question amendement, donc je suis content. Pour me répondre à toutes questions que vous avez, moi, je veux dire. Merci beaucoup parce que vous êtes ensemble avec nous. Déjà, vous avez fait une proposition de 30 propositions pour amendement de constitution. Ah oui, ça va être fini. Nous allons faire encore, commission pas avancer. Nous travaillons tous les jours. Alors, je vais apporter une précision. Pas oublier que ce n'est pas moi-même. Moi-même, c'est président d'une commission qui a 9 députés là-dedans. Bien entendu. Et je toujours aimé préciser ça. Pour éviter d'autres députés qui font jalousie. Pas seulement ça pour rien. Il y a ça aussi. Bon, il y a la vérité, c'est que ce n'est pas moi seulement qui travaille, c'est 9 députés qui prennent courage à demain. Et 9 députés, ça va toujours rendre hommage. J'aime toujours prendre temps pour me citer, non. C'est-à-dire que c'est député Jerry Tardieu, moi-même qui est président, Louis-Marie Bonhomme, vice-président, Ronald Etienne, qui est secrétaire rapporteur commission. Ensuite, nous avons 6 autres députés. Raymond Rival, Jacques-Michel Saint-Louis, Bryce Cyprien, Myriam Amilka, Daniel Létan. Donc, c'est député ça. Qui eux-mêmes fait partie de la commission qui travaille sur la question amendement constitution. Très bien. Après proposition 30 points. On n'a pas oublié tout, il y a un député Jacob Latortue, député Gonaïve, vous connaissez comment c'est grand monde, souvent on oublie. Non, donc député Jacob Latortue fait partie de la commission. Tout à fait. Après de finir présenter 30 propositions, est-ce que le document est fini? Pas grand encore pour le faire la donne? Bon, à 90% il est fini. Sauf que quand on est là, nous sommes quand même. Annoncer que nous avons fait une dernière consultation. C'est dans ce sens-là que, il y a 2 semaines, nous avons rencontré avec le cabinet avocat qui est dans le pays. C'est dans ce sens-là que, la semaine prochaine, nous allons rencontrer avec le notaire. C'est dans ce sens-là que nous sommes allés à Saint-Michel-le-Latalaye, que nous sommes allés à Henry. Nous sommes allés plusieurs côtés. Côté avec possibilité de modification ou d'ajout? Absolument. Pas oublier que le rapport commission, son rapport qui fait en deux chambres des députés, mais son rapport qui doit refléter qui sa nation en pensée. C'est pour ça que nous prenons 1 an pour nous faire consultation nationale. Et je dis à que fin faire restitution rapport, nous avons marché tout côté, assurez-nous que l'organisation de base, l'organisation femmes, l'organisation populaire, l'organisation paysanne, tout le monde d'accord à sa gagne dans la proposition. Diaspora aussi? Diaspora, certainement. Nous aller Miami, dans New York, dans la Paris, nous gagnons encore pour nous repartir là très très bientôt. Seul côté, nous beaucoup aller que nous avons arrivé là, mais République Dominicaine? Non. Et dans la République Dominicaine déjà. Nous avons aimé aller en Argentine, au Chili, au Brésil. Côté de la population haïtienne qui est importante, il faut nous prendre en compte. Et ça, vous pensez de question amendement. L'entendez dans le discours 1er janvier, président, il dit il y a une chose qui est faite pour l'année 2019 là, sous côté une année électorale, mais tout son année, côté que le président dit, il parle avancer sur votre principe amendement constitution. Ça te dit? Bon, c'est normal. Constitution, balle. Prérogative au niveau de l'exécutif pour le faire une proposition d'amendement. On ne peut pas oublier que l'article 282 dit que c'est soit l'exécutif, soit le législatif. Et législatif, tant la Chambre des députés que le Sénat doit faire une proposition d'amendement. Donc, il y a véritablement 3 entités qui travaillent sous amendement. Il y a l'exécutif. Tous les 3 capables de faire une proposition? Tous les 3 capables. Et c'est là la difficulté d'exercice. Parce que tous les 3 gagnent légalement le droit. Non, même de tous les 3. Tous les 3 capables de faire une proposition en même temps. Par exemple, là, c'est pratiquement la commission pour là qui gagne en proposition. Ça veut dire que c'est Sénat qui font la proposition et la présidence capable de faire, l'exécutif capable de faire une proposition en même temps. Il y a plusieurs scénarios possibles. C'est entre juin à septembre 2019 que nous faisons pour nous présenter proposition d'amendement. On ne peut pas oublier. Présenter de qui côté? Au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Et c'est eux-mêmes aux 2/3 qui pourront voter si vous êtes d'accord avec la proposition qui pourra le débattre.
entre juin et septembre 2019. Exécutif qui a voté proposition, Chambre députée avec Sénat. Au niveau du Parlement, je pense qu'il y a un effort pour faire pour harmoniser position Sénat avec position Chambre députée. Mais on ne peut pas oublier un bagarre, Benson Jeffroy. Proposition que nous faisons, yo osé en pile. Il y a des gens qui qualifient de révolutionnaires parce que nous ne demandons ni plus ni moins qu'on change de régime. C'est-à-dire nous pensons que le système ça aboute et que pour changer le système en Haïti, il faut amener une constitution. Mm-hmm. Il ne faut pas amener une constitution de façon d'agabadzou et minimale, superficielle, cosmétique. Nous dit qu'il faut qu'aucune chaîne, un gros tonton passe main. Donc c'est pour ça que nous avons gardé comme. C'est peut-être ça que fait le professeur Auguste Demetra qui est ensemble avec vous. Qui problème il y a avec vous? Pour les mêmes. Vous avez dit que c'était un homme là dans l'émission. Oui, et dans la dernière émission, là, pour les mêmes, ce n'est pas un amende. Bon, fait, c'est carrément le constitution mandé, puisqu'on demande un changement de régime et politique. Et moi, j'ai un désaccord profond avec lui. Parce que qui ça, article 284.4 là-dessus? Ils ont tout autant qu'on pas le caractère républicain et démocratique de la Constitution, ou qu'il doit amender dans tout le col. Et je ne m'admets avec le professeur Demeza que ça nous fait aller très ambitieux. Et au fond, m'assumer, ça me va le dire, c'est que ça n'a pas cherché quasiment son nouvelle Constitution, mais à travers un amendement. Mm-hmm. Parce que la Constitution a trois problèmes, il faut changer, mais il faut faire un travail définitif. Nous-mêmes, nous pensons que au niveau de l'amendement, ou qu'il doit changer tout le bagage, c'est pour ça que nous changer, nous proposer un changement de régime tout, parce que sous pas moyen régime là, ou pas comment un système là, et je dis à système là, bout. Tout le monde a des choses là, oui, un nouvel amendement à travers une nouvelle constitution à travers un amendement. Alors, si Jerry Tardieu est un citoyen lambda, ça veut dire que moi j'étais un journaliste, moi j'étais un professionnel, je pas un député. Peut-être que le citoyen engagé, patriote, qui aime le pays, peut-être que c'est une nouvelle constitution qu'il a aimé. Cependant, moi je suis un député. Et député a constitution tracé route pour dans le moyen constitution. Donc, si moi-même, moi prends responsabilité pour me présider une commission aussi importante, avec tous neuf membres, nous d'accord, faut que sérieusement. Eh bien, nous tellement moyen, proposition nous tellement audacieuse, des fois même révolutionnaire, que en pile mon estimé que son nouveau constitution que nous proposer. Et moi-même m'assumer que me dit, ça nous proposer à si vous votez. C'est quasiment l'équivalent d'une nouvelle constitution, mais à travers un processus d'amendement comme l'exige la constitution. On retourne sur comment ça va le faire, puisque là, Jean Dabdil est allé à là, ou avancé avec le travail pour là, ou parler avec le président de la commission sénatoriale là, et qui a travaillé sur l'amendement de constitution. Saldo. Très bonne rencontre. Nous faisons une réunion de travail, côté que l'y annoncer que l'y travaille en commission avec sénateur, à 90% yo d'accord avec la proposition que nous faisons. Nous, par contre, ça 10%. Troisième semaine du mois de janvier, nous allons chita, nous rencontre, en réunion de travail que nous allons faire, côté que nous allons recevoir ça eux-mêmes gagner pour ajouter sous ça nous faire. Probablement tout, qu'il y a des bagages que nous proposons, ils ne pas d'accord avec lui. Et c'est là que l'exercice va être difficile. Est-ce que le sénateur a monté un train que le chambre député a lagué? Nous avons dit un sénateur par département. On voit c'est quoi le machin logique ça? Ah, on ne va pas plaquer dans un zéro là. Non, il y a un document déjà, c'est public. Alors, mais qui ça nous dit? Parce qu'il y a trois actuellement. Mm-hmm. Trois sénateurs par département. Trois sénateurs par département et un député par commune. Mais qui ça nous dit? Gagner des discussions qui sont faites dans la commission, côté que nous sommes d'accord sur le principe. Tout autant que par consensus, tous les neuf membres de la commission d'accord avec une proposition d'amendement, nous mettons. Tout autant que nous ne sommes pas d'accord, nous soumettons à l'Assemblée qui pourrait aller débattre de lui. Sous question. Parlement, sous question de nombre de parlementaires, nous n'avons pas réussi à tomber d'accord. Gagné une portion dans la commission qui pensait que faut qu'il y ait Jean-Lia, 119 députés et 30 sénateurs. Gagné une portion dans la commission, même si au minoritaire, qui pensait que faut qu'on chambre monocaméral. Ça veut dire qu'on a besoin de chambre, on a besoin de sénat, on chambre des députés. Et puis, dans l'autre portion, qui estimait que faut que tu aies gagné un député par arrondissement et un sénateur par département. Donc, pour réduire taille Chambre des députés à Parlement. Donc, en fait, je dis, ça que pour gagner, c'est qu'en juin et septembre 2019, bah, il n'y a pas chauffer. Parce que pas tout le monde qui est d'accord et m'inviter, peuple haïtien qui a regardé nous là, pour brancher dans la télévision, pour regarder tout le débat qui a fait. Et puis, pour influencer tout. Parce que si vous avez une vision, ou une idée, ou une façon de faire, vous avez le droit de faire député dans la commune où on connaît comme on veut. Vous avez le droit de faire sénateur dans le département là. Qu'on est comme on veut, de telle sorte qu'on a influencé votre là-tout. Mais normalement, pour gagner, dans le commencement, proposition, parmi les articles qui plus marquent le monde, c'est lorsqu'on demande pour, non seulement pour
responsabiliser beaucoup plus le président pour faire venir justiciable devant le tribunal des droits communs. C'est-à-dire, le président n'est pas mineur encore. Jean Abdil, la compagnie de président, il a traité l'université quand il a calmé des comptes pour lui, après il a gagné des comptes pour le rendre, ou retirer parti ça. Mais tout, ou retirer fonction pour le ministre. Bon, alors, ma première. L'homme dit, ou la commission va se parler puisque vous êtes le leader du. Très bien, très bien. Effectivement, effectivement. L'important. Pour que nous changions tout ça qui est un problème dans la Constitution. Il y a un bagage qui est un gros désordre. C'est qu'il y a un président de la République qui a fait des faits dans le pays. Après 5 ans, il y a des mineurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas participé dans rien qui est fait qui n'est pas ça. Ce n'est pas normal. Et je pense que tout secteur que nous avons rencontré, il y a un mandat de nous. Il dit nous, ça, il faut le changer. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre tête, nous mettre le peuple là. Le peuple a rencontré nous, il dit nous, président, fait pour redevable envers les tribunaux sur toute saleté fait pas ça. Et ça, on a changé. Dans la même veine, nous dit que nous avons changé le régime politique. Là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vécu nos hypocrisies. Côté que, en fait, nos us et coutumes, dans la façon nous vivons, dans la façon nous concevoir la vie, nous gagnons, si vous voulez, un président pour la société haïtienne, c'est lui-même qui est le chef suprême. Ouais. Et comme de fait, pendant toute 215 ans d'indépendance, c'est eux qui étaient chef suprême. En 87, nous faisons un changement. Côté que nous retirons un pile dans le pouvoir président, nous mettons dans le Parlement. Je dis à la commission pas là pour retirer le pouvoir Parlement. La commission là pour rééquilibrer les pouvoirs. Parce que le président de la République, c'est lui qui allait dans le suffrage universel, c'est lui qui a un vote là. Et je dis à une totale hypocrisie. Côté que un président qui toujours a choisi un premier ministre perpétuel qui pour faire et défait selon sa volonté. Mais dans la réalité, c'est pour les ministres responsables, il n'est pas responsable en rien. Il faut corriger tout le ça. Mm. Et c'est ça qui fait que nous estimons que l'amendement de la Constitution, son cas fou important, Robinson Jeffrey, nous pas caraté dans le juin et septembre 2019 parce qu'il y va de la survie d'Haïti et même de l'existence même du Parlement. Là, nous proposons pour que vous ayez un premier ministre plutôt qui a fait campagne avec le président Simkoumoun, qui descend sur le terrain, qui a un mandat. Nous disons qu'il a éliminé le poste premier ministre. Il a un président et un vice-président. Il a fait campagne ensemble, son ticket que la pied. Et du genre les États-Unis d'Amérique. Même genre. C'est domaine comme ça, il y a plusieurs pays en Amérique latine. Ça veut dire que les marchés en pile côté. Le Parlement a prêté fort, mais il a prêté cantonné dans légiférer, contrôler l'exécutif. Les nous retirer poste premier ministre, pas un espace marchandage. Côté quelques députés et sénateurs, ils doivent fourrer quoi pour aller négocier, mettre les gens comme ministre. Le système là vient biaisé, législatif là vient fourni dans l'exécutif là. Et peuple, la société a l'impression que le Parlement n'a pas défendu l'intérêt. Nous voulons éliminer ça de telle sorte que nous avons un système balancé. Ça veut dire voter principe abonnement constitution. Alors disons que en nous clair son bagaille. La 50e législature, les pourra voter s'il y a lieu d'amender. Par contre, c'est de ça qu'on va parler. Justement, c'est de ça. C'est le principe d'amendement. C'est le principe. S'il y a lieu d'amender, ça veut dire que la proposition que nous faisons, nous dit, nous pensons qu'il y a lieu d'amender en ce sens-là. Mais c'est la 51e législature qui pourra venir pour voter la proposition que nous faisons. Vous comprenez pourquoi ça le comme ça? C'est parce qu'en 87, nous étions tellement constituants, nous étions tellement peur que le prochain président a amendé la constitution à l'intérêt par eux. Que yo quasiment mettons un bon verrou qui pour rendre amendement difficile. C'est pour ça que nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas n'a passé son muraille n'a monté là parce que pour mener un processus d'amendement jusqu'à la fin, ou garder toute étape que ça gagne parce que nous pral estimer qu'il y a lieu d'amender 51e dans lui-même pral amender, président de la République pral gagne pour promulguer, le ça lui-même li pral rentrer en fonction et même le rentrer en fonction, si tu as gagne des dispositions, des propositions qui pour bénéficier président actuel là, n'a pas obligé gagne des dispositions transitoires pour assurer nous que li pas bénéficier de aucun amendement que fait là parce que pas aucun président en fonction qui capable bénéficier d'un amendement que fait pendant le président. Li pas rétroactif. Non, ça dit l'amendement dispose pour l'avenir, il n'est pas rétroactif, il y a des dispositions transitoires qui disent. Ça veut dire qu'il y a peut-être garantie, Jovenel Moïse, qui a gagné dans l'amendement de la Constitution, ça, c'est que l'aspect qu'on mettait là-dedans, nous mettait la commission là-dedans, là qui prend le fait, il n'y a pas mineur devant la loi, encore devant la gestion, il n'y a pas tombé en bas ça. Non, il n'y a pas tombé en bas ça. Par rapport à ça, il est protégé toujours, et est mineur, etc. Et... Il a toujours été mineur, alors il est conçu comme mineur, parce que qu'on est un débat dans la société. Parce que la loi sur la comptabilité publique mettait responsabilité entre les mains de l'exécutif. Et l'exécutif gagne deux têtes. Il gagne le président et le premier ministre. Et même les arrêtés, le conseil des ministres sont signés par les deux. Cependant,
nous-mêmes, nous toujours été dans ce qui est conçu comme étant la norme, c'est que le président est conçu comme mineur. Cependant, on ne va jamais lier, c'est pour ça que dans le rapport, après, nous va mettre le président mineur. Nous n'étions le président conçu comme mineur, parce qu'il y a des gens qui questionnaient aspect ça dans la question constitution. On retourne sur le travail, trois instances qui sont capables de faire des propositions d'amendement de constitution. On dit d'abord, c'est deux branches dans le Parlement avec l'exécutif. Là, on souligne qu'il y a une possibilité pour que nous jouions gens là pour Sénat avec Chambre députée à agencer le travail. On dit à 90% l'autre commission pratiquement d'accord avec le travail commission. C'est ça, on dit. C'est ça, reste 10% nous ne pouvons pas s'allier. C'est ça. On a dit que nous avons un consensus et que nous faisons sorte de jumelage là, nous jouons un consensus, nous gagnons un document Sénat, on sort de document bicaméral et Sénat, Chambre députée. Qui a dit? Très bien. Exécutif là, vous ne parlez pas tout. Très bien. Comment ça va le passer? Bon, il y a plusieurs possibilités. La possibilité. Une seconde, ça veut dire que deux documents et deux propositions d'amendement de constitution. Exactement. Et le danger qui est dans ça, c'est que. Il y a une proposition d'amendement sur tout. C'est-à-dire, l'homme, il y a un aspect là-dedans, ou il y a une répercussion 30 articles plus loin. Bien par sûr. Exemple, là, nous avons échangé le Premier ministre. C'est une proposition, mais il faut changer 27 articles là-dedans. Donc, il y a une cohérence dans un travail de proposition d'amendement. Et ça fait qu'il y ait des techniciens qui accompagnent. C'est très important. Donc, nous-mêmes, ça m'a proposé, nous, pour que vous connaissez la semaine prochaine, le 14, que nous avons rentré, proposition que nous avons fait par le bureau Chambre des députés et le bureau Sénat. C'est qu'au-delà, nous sommes capables de travail que nous avons pour nous faire entre la Chambre des députés et le Sénat, il faut gagner tout le travail qui est fait avec l'exécutif. Or, le président a lancé des états généraux sectoriels. Et il dit que il pourrait accepter tout ça qui sorti dans la rencontre que l'état généraux sectoriel a fait, y compris les propositions qui vont être faites sur la gouvernance, donc sur l'amendement de la Constitution. Moi, supposé que l'État généraux pourra faire des propositions, que le président lui-même pourra l'utiliser pour le capable faire proposition d'amendement par. Or, comme. L'État généraux, c'est dans le pas pratiquement fin de travail. Il y a un rapport d'étape. Il y a un prolongement. Il y a deux mois encore pour le travail. Bref, pratiquement, la réalité, pratiquement, pendant la dernière évolution, réalité politique pays a pratiquement été transparent. Ou pas de véritablement compte de ça le travail, parce que l'idée de la politique fait dialogue, bon. Oui. Plus en profondeur. Alors, il y a d'autres entités, il y a d'autres monde qui viennent entrer dans le dialogue. Tu viens pratiquement, il y a une sorte de flou là, de travail. L'État généraux sectoriel là. Il y a un avantage et deux problèmes. L'État généraux, tu es mal commencé parce que tu as un curiel de démission dès le départ. Donc, ça te vient entacher, on est capable de dire processus là, de quelques petits problèmes. Et on a changé tout, même le. Premier ministre Evans Paul te sorti, il vient de rentrer. Te gon cafouillage, qui te lage tout le monde, la troublaille. Vous ne pouvez pas comprendre que ça pour aller. Deuxième problème. Avec tout dès le départ, il y a des gens qui vont accepter d'entrer. Oui, c'est tout. Alexis, ou Mme Pierre-Louis, ou Mme PL, Moïse, etc. Effectivement. Donc, ça, c'est son premier problème. Deuxième problème, c'est que le président de la République, je dis, a passé à travers une crise. Et son président qui est élu par 500 000 voix, donc, il y a une légitimité ébréchée. Et son président qui est très impopulaire. Et l'exécutif en soi-même l'a fait initiative ça, tant au niveau du président. Le président que du... le député, il doit parler de l'église. Oh, même obligé de parler de l'église, même pour me critiquer le président. Et m'a continué à critiquer jusqu'à la dernière minute. Depuis, il va conformer sur ça pour le faire. Là, vous un député directeur du en face. Et comme moi, je suis. Face et comme moi, je sens ça tous les jours. Mais comme moi-même, je suis un député tout qui est libre d'esprit, et je suis un c'est Haïti qui boussole moi, tout autant qu'il fait des bagages positifs. M'a accepté et m'a pas apprécié. Dans le cas des États généraux, c'était une bonne idée, d'autant plus que, techniquement parlant, il est bien organisé. N'a pas gardé tout technicien qui travaille dans les États généraux sectoriels. Ils font un bon travail. Seulement, est-ce que politiquement, travail ça a une valeur pendant que techniquement, il est bien fait? Parce que ça n'est pas une acceptation, pas une légitimité de formation commission. C'est tout le problème là. C'est tout problème là. Donc, nous-mêmes, nous avons espéré que, tant au niveau de l'exécutif qu'au niveau des responsables des États généraux sectoriels, que du Sénat, nous avons un gros tableau que nous mettons chita et puis nous entendons pour nous faire pays. Il y a un exemple patriotique que peut-être nous-mêmes nous mettons tête ensemble pour nous proposer pays en bagaille différent de ça que là je dis. Si vous comprenez ce que je dis là bien, monsieur le député, si le président a des propositions, il a voulu faire pour amender la constitution, c'est en dans l'état généraux sectoriel là pour le faire? Non, le président a dit que les bails. En fait, on se compte, on dit ça, c'est parce que s'il fait un état généraux sectoriel, la team psychologique ou à bien, la bataille plus monde, puisque l'état généraux sectoriel a déjà un travail à faire sur tout le territoire. Exactement.
Qui ça le dit? Il dit que grand état généraux sectoriel qui font consultation nationale. Donc il va faire des propositions au niveau de la gouvernance. Donc au niveau de la constitution, qu'on s'il prend ça au bal en considération et que lui-même ses positions soient amendement, n'a mettez nous chita avec lui et puis nous garder. Peut-être que yo va au même genre avec nous, m'a dit après une définir présenter document nous au niveau de l'hôtel Caribé le 28 d'août 2018, eh bien nous avons plusieurs gros autobrés, gros zouzoun. Et vous parlez tout dans l'état général qui nous dit nous, vous retrouvez dans ça. Et peut-être même publiquement, il y a un monde qui est Evans Paul pour vous citer encore, il dit que d'accord avec lui. Et il y a plusieurs autres mondes. Nous remarquons dans la société, il y a un pile monde qui est d'accord avec le travail que nous faisons, sauf que, il y a par exemple au niveau de certaines personnalités connues, Madame Maniga, Jacqueline Lumarck, et toute équipe ça qui travaille au niveau de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien pendant que après l'université Kiskeya dans Kiskeya pendant que apprécié travail nous mais il dit au tapito son nouvelle constitution au niveau des États-Généraux toutes amis qui relaient nous informez nous que notre travail au fait en interne nous bien apprécié travail que nous faire donc au fond c'est pour nous mettre tout orgueil nous de côté et puis pour mettre Haïti devant et d'abord et puis pour nous chita et puis pour nous garder dans ça au gagnant qui ça bon dans ça nous fait qui ça bon et puis nous faire ça plus bon pour Haïti. Pour que ça on doit faire équipe avec équipe pour avoir confiance et dans proposition ça puis on va dire est-ce que Dieu pas bon petit il veut faire passer là pour lui même qu'il va le bénéficier puis devant ou bien notre monsieur dans la commission ça va avec il y a ça aussi. Moi même pas c'est que dès lors que un monde ou objectif ou li proposition amendement ça ou après que son commission te gain courage et ou ba nous crédit pour ça proposition nous fait yo extrêmement important nous analyser constitution sous 3 ans langue d'abord de la gouvernance ça nous voulons efficacité nous voulons pays a bien marché nous voulons transparence nous prend tout ça qui irritant qui problème nous retirer pour pays a bien marché nous garder question régime politique nous est tout côté bagaille pas marché pour nous dire en éliminer ça pas bon pour nous kembe ça bon et puis nous prend des problèmes spécifiques au niveau de la justice pays a grand demande ou bon peuple en société qui en rupture de confiance avec élite li yo dans la ria là les a parlé des présidents des parlementaires il y a pas de respect pour eux parce que on perd de confiance comment on peut rejoindre confiance peuple ça pendant que nous connaît que n'a construit institution parle ou qu'a un problème avec un président de la république par rapport à ça le fait par rapport à politique là mais on pas un problème avec fonction ou pas un problème avec parlement ou qu'a un problème avec parlementaire donc faut que nous rétablir confiance et comment c'est à travers bonne foi que nous pourrons prouver dans la proposition que nous faisons. Par exemple, on demande de reddition de compte, on demande de transparence, on demande de justice dans le pays. Mais c'est dans la constitution pour nous chercher possibilité pour nous bailler transparence avec justice. Exemple, ou un commissaire gouvernement aujourd'hui, commissaire du gouvernement, depuis l'appellation, ou que son commissaire qui est au service du gouvernement. Il a une tendance pour l'inféodé, parce qu'il y a une personnalité. Mais qui sont besoin? Ou besoin des procureurs de la République, c'est ça nous proposer, qui ont un statut indépendant, qui est capable de marrer vagabond. Avec un mandat. Et avec un mandat bien clair. Et puis, il y a une carrière qui est capable de faire dans l'administration publique, les protéger dans la fonction publique, là, avec un statut spécial. Le président n'est pas capable de son coup de tête changer. Non, il n'est pas capable. Et c'est comme ça qu'on construit une démocratie. Et nous-mêmes, nous pensons que l'homme a gardé. Ça nous propose pour l'intégration diaspora. Nous-mêmes, nous disons pas de pays. Nous disons que sauf fait de père et de mère haïtien, sont haïtiens. Ou qui nous a servi pays, magistrat, député, sénateur, ou qui nous a même voulu président ou vice-président. Cependant, il faut n'avoir jamais renoncé à sa nationalité pour deux postes. Là. Donc, tout ça, il faut clarifier qu'est-ce que ça veut dire avoir renoncé à sa nationalité. Rien n'est clair, ni dans la loi sur la nationalité qui date du 6 novembre 1984, ni dans la Constitution. Tout ça, il faut l'éclaircir si nous avons un si pays que nous voulons construire avec sérieux. Est-ce que nous devons document par le président de la République là? Oui, mais nous t'es invité, là, nous fait restitution document, nous t'es invité. Tout conseiller président, c'est-à-dire nous pas t'inviter personnellement et formellement parce que c'est deux pouvoirs indépendants. C'est-à-dire son pouvoir législatif qui a fait restitution de documents, mais nous avons des conseillers de haut rang, nous avons Guichard Doré qui était présent, nous avons Peterson Noël qui était présent, nous avons Luberis et Renal Luberis qui était présent. Il y a beaucoup qui dans le premier cercle président. Qui est dans le premier cercle président et nous apprécions que vous êtes là. Ouais, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous faire de. Nous ne sommes pas là pour nous exclure. Ça veut dire nous assurons que officiellement, le président a gagné un document ça dans même. Mais c'est évident. Non seulement nous assurons, nous continuons à parler avec mon état généraux, nous continuons à parler avec tout secte
restreint président. Et capable de que nous joignons en pile félicitations et en pile monde qui croit que ça ne fait très bon. Donc nous était quoi que même quand moi-même son député de la minorité et qui théoriquement a non posture d'opposition au président de la République, même pas qu'a non posture d'opposition au pays, dès lors que le président font ba qui bon que le retrouver dans sa affaire et m'inviter le bullshit avec nous pour nous payer un exemple que nous ca mettre tête ensemble pour nous font ba positif. On venir kounya là monsieur le député sur date là. Oui. Qui date le document ça, il va discuter devant l'Assemblée nationale là? Entre juin et septembre 2019. Vous connaissez, ça va dépendre. En une date ça, bureau, yo, fait pour décider, qui l'est pour le fait. Moi-même. C'est une ratée date ça, une ratée. Net. Et m'a dit, au changer dernier amendement, on va chauve-souris, dernière minute, à minuit, on va courir pour un autre, nous va voler ça. Il faut que nous tracions l'exemple. 50e là, il y a un problème d'image. Et il a réhabilité aux yeux de la population un temps soit peu, même de façon minimale, si au niveau de l'amendement 1, la rue, la peuple, la société, le pays, ouais que le Parlement prend conscience et que le proposé pays un projet de société qui marie avec la réalité et puis ça nous demande. Hein? Et deuxièmement, si on fait avec sérieux tout, avec sérieux c'est qui ça? Ou fait le français en créole, il n'y a pas en français seulement. Ou faire dans la transparence, ça veut dire qu'il y a un débat, ou faire article par article. Document en créole? Oui, nous avons tout en créole. Okay, okay. Tout ça nous fait, nous, même rapport d'étape là, ce que pense sa nation en pensée, et tout a toujours disponible en français et en créole. Oui, maintenant, entre juin et septembre, nous parlons de ces périodes-là pour que l'Assemblée nationale là et discuter sur lui. Est-ce que capable de modifier le document là? Ah oui, bien entendu. Alors, soit faire créole, je tout dire que moi, t'as remis. Oui, merci publiquement et Académie Créole oui. Qui même et soutenir nous courir nous dans aider nous pour nous faire traduction parce que vous connaissez que bail ça très délicat en plus subtilité là-dedans. Plus subtilité là-dedans. Alors, question c'était en juin et septembre, est-ce que bail est capable de changer? Oui, non, est-ce que en Assemblée nationale là pendant discussion à fait parlementaire capable de changer des points retirer mettre? Bien entendu, c'est ça l'idée même. C'est-à-dire que libéral en débat en Assemblée nationale. C'est aux deux tiers du vote de l'Assemblée que nous sommes capables de décider si nous avons qu'un bien amendement ou bien pas qu'un bien. Ou bien nous avons altéré le tout, nous avons une proposition d'amendement, ou bien une virgule qui manque, ou une virgule qui manque, ou une mot pas mettre, ou une précaution pas prendre. Donc c'est pas un débat extraordinaire. 2019 sont une année politique intéressante et amendement constitution, débat sur constitution, c'est lui-même pour nous tous faire attention à lui-même parce qu'au fond, c'est baptistère en pays, c'est projet de société ça. Nous, dernier projet de société, nous, Benson Jeffra. C'est en 1804, c'est seul le nous entendre nous que nous pas veut. Nous pas veut blanc français tourner, nous voulons vivre en liberté. Nous casser chaîne l'esclavage dans pied nous. Mais depuis lors, dominicains font travail en 1994, mais depuis lors nous même nous pas font projet national non. Et mais c'est l'occasion ou jamais pour nous chiter à son table d'autant plus que nous voyons que gagner au niveau de la situation de la politique du pays, gagner en pile monde qui a parlé, donc besoin de dialogue national. Son travail titanesque, libralier, oui. Pour discuter en Assemblée nationale avec tous les députés SAO, tous les sénateurs SAO, qui va le faire paraître, qui va le monter aller pour faire John Gauthier ou Wendy. Où est son tableau qui va pas être compliqué? C'est plusieurs jours quand même. C'est plus, bon, je suis capable de dire, d'après moi, c'est toute dernière session législative, dernière session 50e. Là. Et je vais le plus loin avant, son année électorale. Ça veut dire tout le monde qui a regardé, député avec sénateur pour l'obliger prononcer sous proposition d'amendement. Et c'est sous ça pour le juger. Et c'est pour ça l'opinion publique importante. C'est justement dans le balancement avec nous. Nous, en campagne, nous n'avons pas de temps pour nous acheter dans le Parlement pour nous faire travailler ça. Élection, c'est en octobre si tout va bien. Oui, mais Robinson Jeffra, imaginons un bagage aussi important qu'amendement constitution. Pour une population non commune, tu as gardé pour le débat fait. Et puis, il n'y a pas de député par là pour le moupal. Député, ça n'a pas préélu. Parce que tu vas faire face à la responsabilité historique. Il y a plein. Tout député à plat. Au contraire. C'est ce soir le jour pour que je ne présente pas. Mais c'est campagne à pied. L'on député monte tribune. Là. Et puis il dit le pavé ça en amendement. C'est campagne lié. Parce que moun bola kali a gardé. Et c'est pour ça que je toujours dis moun qui bola kali a influencé votre lia. Dans le deal sort vle prendre en main. Il y a des moun qui estiment que. Bon, faut en confidence. Nous faisons un an. Nous faisons consultation nationale. Tout le monde vient recevoir. Tout secteur vie nationale là. Mais les gens qui ont dit, nous, non, député, nous ne pouvons pas croire parlementaire à voter ça. Parce que nous faisons des propositions courageuses. Vous avez répondu, nous disons, mais responsabilité à si vous ne votez pas, c'est nous-mêmes. Je dis comment? Même si c'est l'opinion publique là pour conditionner vote parlementaire. Moi, j'étais quoi que député et sénateur pour aller voter en fonction de pression que vous avez recevoir. Non. Côté yo député ou bien côté yo sénateur. Pour ce en fait, est-ce que vous avez une convocation spéciale qui doit être faite? Qui est-ce qu'a fait? Bon, ça, c'est des détails qui vont se régler au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, capable d'une session, très probablement, c'est pour une convocation qui
spécifiquement dédié. Quand vous avez bureau de l'Assemblée nationale là? Alors, comme il doit sortir du bureau de l'Assemblée nationale, qui pourra décider qu'il y a des propositions d'amendement venant soit du Parlement, soit de l'exécutif, si entre-temps, nous entendons nous. Et avec l'exécutif là, peut-être que ce sont seules propositions d'amendement. Je ne pas sur ça parce que vous connaissez. C'est dans le balancement avec vous. On n'a dit pas qu'on seule proposition d'amendement, il y a deux. Il y a un Parlement, il y a un exécutif là. Est-ce que tous les deux appartiennent dans l'Assemblée pour discuter? L'obligé. Alors nous pourrons faire tout effort nous, pour que ce soit une grande proposition. Parce que de toutes les façons, on nous dit par exemple, on prend la techniquement et de façon concrète. On nous dit qu'on article 282. Nous avons Jean Noël au niveau du Parlement. Exécutif là, Jean Noël. Qui ça quoi le fait? Exécutif là, il doit faire proposition. Mais faut une proposition exécutif là. Parlement qui doit faire proposition. Faut une proposition Parlement. Qu'on y a qui est-ce qui va le juger? Parlementaire. Oh, ok. Ouais. Donc au final, c'est parlementaire qui va le décider. Même si tu as trois propositions, c'est parlementaire qui va le décider. Puis au final, avec un document. Correct. C'est parlementaire qui va le voter s'il y a lieu d'amender sous article 1, 2, 3, 4 et 5. Bel exercice. Et même là encore, les offres de voter principe d'amendement constitutionnel, oui. C'est quand il y a une législature là, pour être capable de modifier le tout. Oui, il peut être capable de modifier le tout. C'est pour ça que René Préval a une blague. Il a dit, monsieur constituant en 1947, il a fait constitution. Il a pris un clé là, moi, côté où il a constitution, il a jeté dans la main. Sans façon, monsieur, de montrer que c'est difficile pour amender la constitution. Ouais. Mais nous-mêmes, avons avancé contre vents et marées, tambour battant, avec un pile conviction. Persévérance, parce que nous pensons que l'histoire est placée dans le Parlement à un carrefour pour nous engager un rôle historique pour nous aider à amender, changer, réformer, réviser la Constitution. On a fini avec un autre dossier rapidement. Pour le nouveau bureau, pour le monter là dans cette chambre des députés. Oui, t'as coup chaque année, oui. Législative. Oui. Vous êtes intéressé? Comme qui ça? Comme président. Non. Moi, j'étais candidat à la présidence de la Chambre des députés en face du président Chauzeur Chancy. Moi, j'étais perdu par une voix. Et à l'époque, il y a 4 ans, j'ai décidé pour me servir chambre au plus haut niveau. Et malheureusement, je suis pas de faire ça. Mon cher, on change de sujet. Et bien, c'est toujours comme ça. Tractation, combine, coup bas, trahison tout. Parce que jusqu'à 3h du matin, et moi, j'ai 5 ans en plus. Oh, je vais préparer 10 coups, pour belle cravate. Costume, que tu as là, président. Non, parce que moi, j'ai gagné des assurances de la part de certains collègues. Et que tu as voté à 3h du matin. Mais quelques heures après, ils ont voté en l'autre gens. Donc, mais c'est là, il n'y a pas de problème à ça tout. C'est-à-dire que c'est des jeux d'intérêt, c'est la loi. Et il y a des groupes de députés de toile de mon côté pour Rodamé Zola. Ils ont mis au côté là pour Rodamé Zola. Tout bagaille, ça fait partie de la, du folklore parlementaire. Nous capables de la vie parlementaire, de la réalité parlementaire. Et mais c'est ça, c'est des jeux d'intérêt, des jeux de tractation, des jeux de discussion. Et puis c'est capacité au gain, tout leadership pour convaincre le monde et qui vision pour rien, qui soit venu avec lui. Et malheureusement, souvent, il y a des fois, il y a trop d'intérêts personnels qui viennent mélanger dans la discussion. Ça donc, nous avons quitté Haïti derrière. Donc, c'était l'intention pour me président de la Chambre des députés il y a 4 ans. Je dis à mon autre agenda. Agenda, c'est bataille pour que l'amendement constitution, que je pile dans la donne, li passe parce que je pense que si je réussis à 10, 15, 20, 30, 40, 50% imposer, proposer, convaincre les collègues pour voter sans travail sur l'IA, je pense que je suis rempli comme député. Et mon Pétionville qui te voye, je pense que vous pas satisfait des performances que je débat dans le 50e. Vous n'avez pas encore pour l'autre mandat? Les bonheurs toujours. Bonheur député. Les bonheurs. Nous ne pouvons pas répondre sur question ça. Nous ne pouvons pas répondre. D'ailleurs, moi toujours dit que l'année ça sont année de tous les dangers. On est de tous les dangers. Parce que nous sommes vivants en 2018 en crise. Crise économique, crise financière, crise sécuritaire, crise institutionnelle. Et si l'élection n'est pas faite en 2019, nous parlons de crise électorale. Aujourd'hui, il y a un marché pressé pour faire. Mais pendant un marché pressé pour nous faire élection en octobre 2019, il faut nous assurer nous que nous faisons bien. Où est l'élection ça? Je pense que jusqu'à présent, d'après. Regardez le tableau politique, regardez le schéma politique qui a dessiné là, avec un pays qui est en crise, même si fête fédérale, tu es en calme, tu es en trêve automatique qui te prend, même si l'opposition n'a pas de trêve, tu es imposé. Même ceci, nous une véritable crise politique avec des manifestations monstres, des grèves, etc. Président, c'est bon de la durée. Ou elle est ébranlée en ce mandat et au même tour, tu fais une proposition de sortir des crises côté demandé président pour que bon geste patriotique pour le défaire. Donc, président, tu es pratiquement au mur. Oui, non, bon. Année à année. Pratiquement.
nous pouvons sortir. La crise là toujours fondamentaux. Même gens, pas grand changer, t'es gon trêve. Et moi-même, l'homme demande le président font un geste patriotique. Il était gagné en démission parce que le voit que le pas les moyens de sa politique pour l'imposer ça le dit ça le vend dans campagne mais on l'autre geste patriotique qui a fait tout c'est font un recul et permettre que dans cadre d'un dialogue gagner un premier ministre d'ouverture qui chite avec tout secteur vie national là et puis pour nous entendre nous son agenda ça t'a gagné en pile bail la donne il t'a gagné un conseil électoral permanent. L'étape gagne tout, il y a un plan de développement économique et social, parce que nous ne pouvons pas parler politique seulement, nous ne pouvons pas parler de développement économique. L'étape gagne tout, comme nous allons entendre sur la question pour ces pétro-caribéa. Et puis, on ne peut pas oublier, c'est ça que nous avons aujourd'hui, il faut nous parler de constitution, qui constitution nous voulons pour Haïti. Donc, tout bagaille ça yon, nécessite un dialogue, et nous avons souhaité qu'en 2019, nous tous, SEM, FREM, camarades, compatriotes, dans le pays avec la diaspora, comprendre l'importance pour que, au-delà des différences et des divergences, nous mettions Haïti d'abord en priorité. Merci beaucoup, monsieur le député. C'est moi pour monsieur, compliment pour l'émission. C'est la deuxième fois que je suis venu, je tourne encore. Merci beaucoup, voilà, d'inviter nous à ce soir. C'était député Pétionville, Jerry Tardieu. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous dans l'émission Haïti, ça capte. Restez ensemble avec nous pour l'autre sortie. Bonsoir.